Bon les amis, aujourd'hui sur ce runner-là, nous allons devoir peindre des œuvres d'art. Mais bon, vous le savez, je suis très mauvais en peinture. Mais bon, vous inquiétez pas, les tableaux vont se peindre tout seuls. Nous, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est utiliser ce récipient-là afin de ramasser un maximum de peinture sur la route. Sauf qu'il va y avoir des petits pièges qui vont tenter de nous renverser pour qu'on perde toute notre peinture. Mais là, pareil, vous inquiétez pas, je suis un spécialiste en runner. Et bien évidemment, au fur et à mesure, en gagnant de l'argent, on va pouvoir débloquer de meilleures habilités. Mais on va aussi pouvoir sûrement débloquer de nouveaux skins. Waouh, c'est quoi ces trucs là, Oh, c'est trop bien, on dirait Plop Runner. Il y a Talking Tom ici apparemment. Ça va être trop classe. Bon bah écoutez, j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Mais juste avant, gros pouce bleu, abonnement. Et nous, c'est parti pour le niveau 1. Oh, déjà comment il court, ça nous rassure pas trop. Oh, on ramasse toute la peinture verte. On a évité tous les pièges pour l'instant. Tout de suite, il a pas mal. Oh, j'ai débloqué, d'accord, on va pouvoir débloquer sûrement de nouveaux moyens de locomotion comme ce petit skate. Plus on sera plein, pour l'instant, voilà, ma fiole est complètement pleine, on a du vert. Il n'y a pas d'autre couleur pour l'instant, écoutez, c'est parti. Ah non, c'est à moi de peindre. Ah, oh, c'est trop classe. Je pensais que ça allait se faire automatiquement, mais non, il va falloir que je peigne. Bon, ça va, ça devrait le faire, franchement. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'on est en train de peindre? Une poire ou un avocat? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va voir ça juste après. Oh, j'ai eu 300 gemmes d'un coup et le prochain skin est à 30%. Alors, 300 gemmes, cela va nous permettre de débloquer... Oh, un meilleur aimant. Allez, c'est parti. Un deuxième meilleur aimant. Comme ça, on n'a pas besoin de se rapprocher des gemmes. Alors, attendez, ça fait quoi si je me fais écraser alors que j'ai pas de couleur? Oh, ça m'a fauché. Oh, c'est du beige, c'est du jaune beige, je sais pas trop. En tout cas, c'est une couleur très stylée qui va nous permettre donc de faire l'intérieur de ce qui semble être un avocat, là, clairement. Il va nous manquer le petit noyau après, mais... Oh, ouais, c'est tellement satisfaisant, yes! On est à 2/3 du dessin, enfin, plutôt de mon œuvre d'art, hein, clairement. Ah non, j'avais pas compté les pattes et les bras. Allez, je débloque un meilleur aimant, et maintenant, on va passer donc au marron pour faire le noyau, je pense. Il n'y a pas besoin de autant de peinture pour l'instant, les pièges sont très faciles. Wow, par contre, quand on se met à accélérer, les pièges sont plutôt faciles pour l'instant, mais ça va se compliquer, bien évidemment, et c'est parti! Oh, ben voilà, ça a été rapide. Let's go! On a donc le premier dessin qui est réalisé. Alors, j'ai encore oublié les pattes. Oh, waouh, le nouveau skin. Ah non, il nous manque un niveau pour le nouveau skin. Bon, est-ce que je me prends de l'armure? Non, pas besoin. Moi, je suis trop fort. Allez, couleur noire comme ça, attention au piège. C'est bon, les limites. Ok, alors c'est quoi ce piège? Ah, il faut juste pas être trop, mais c'est bon, je suis tout petit. Hop là, c'est bon. Pour l'instant, les amis, je me... Waouh, non, j'ai raté une peinture. Je suis dégoûté, c'est pas grave. Je suis quand même à 100%. J'ai pris aucun piège, à part volontairement tout à l'heure pour tester, mais... Allez, hop, on fait les pattes, hop, la figure et c'est bon. Le premier dessin est terminé. Bon, pour l'instant, les niveaux s'enchaînent plutôt bien, c'est cool parce qu'on va pouvoir débloquer donc les skins suivants en passant par celui-là. Alors celui-là, il faut les payer ou pas? Ah ouais, c'est 100, ok. Oh, trop classe, c'est une tasse en fait. C'est quoi ce délire? Mais attendez, on va tester ce nouveau skin que je viens d'avoir. Là, il a l'air cool aussi. C'est parti. Oh, c'est une dame qui va se remplir de peinture. Mais pour l'instant, j'ai que les mêmes couleurs, donc c'est dommage. J'aimerais bien avoir une petite peinture multicolore. Non, c'est quoi ça? C'est un combat. Wow! Attendez, c'est un skin ça que je viens de débloquer ou quoi? Je pense pas, ça a pas l'air d'être un récipient, ce gars-là. Mais si! C'est quoi? On l'a débloqué? C'est quoi ce délire-là? Ah, on est en train de débloquer le prochain, en tout cas. Mais Iron Man, il est passé où, en fait? Pourquoi on a débloqué Iron Man? Bon, bah, je sais pas, on verra ça. Ah, mais c'est le dessin! Je suis débile! C'est le dessin qu'on doit faire! La peinture, on fait comment, là? Oh, quoi? On peut voler? Je ne le savais pas. Par contre, tant que ça ne nous consomme pas de peinture, c'est tant mieux. Par contre, il y a pas mal de pièges ensuite. Wow, trop classe l'arrivée. Allez donc, on prend cette couleur qui est une sorte de... Je ne saurais pas la nommer. C'est un blanc. Hein. C'est un blanc nacré, on va dire. Donc alors, on commence. C'est quoi? C'est sa peau, c'est ça? Ouais, ça... Oh, on fait toute la peau. Mais c'est pas Iron Man, ça. Les amis, je voulais Iron Man, moi. Bon, très bien, on l'aura peut-être tout à l'heure. En attendant, il faut terminer cette madame, cette magnifique peinture. Hop là. Bon, heureusement que c'est guidé, hein, parce que sinon, les peintures... Elles seraient dégueulasses. Et là, pour l'instant, je suis en train de gérer. On est full black maintenant. Wow, wow, wow. La petite accélération, à chaque fois, ça fait bizarre. Mais c'est bon, on va pouvoir lui rajouter des sous-vêtements quand même. Voilà, un peu plus habillé, on va dire. Oh, par contre, j'avais pas vu, mais j'ai tellement de gemmes. On va pouvoir débloquer tous les skins, là. Wow, en tout cas, il y a celui-là qui va se débloquer dans pas longtemps. Hein. Wow, il y a une grosse descente après. Bon, alors, on va débloquer... bah, écoutez, on va prendre celui-là. Ça coûte pas cher. 100, 100. C'est moi, je les ai tous. Wow, on essaye lequel, les amis? La bouteille de coca. Ouais, la petite bouteille de coca. Non, celui-là, je vais prendre celui-là à la tasse, là. Bon, alors, niveau de mon argent, on va débloquer un peu plus d'aimants, d'aimants, d'aimants. Et allez, on va mettre un petit coup dans la protection. Parce que ça va se compliquer. Allez, niveau 8 maintenant, on enchaîne plutôt bien. Et on prend donc cette magnifique petite couleur beige qui sera sûrement pour faire... Wow, wow, par contre, on en...
J'ai pris un coup ou pas? Je sais pas. C'est bon. Oh, prends tout ça, prends tout ça. C'est bon, let's go. Wow, ma tasse est complètement pleine. Alors, ah, c'est pour les cheveux, d'accord. Une belle blonde, apparemment. Et on débloque maintenant le nouveau skin. J'aimerais tellement avoir les peintures multicolores. Peut-être qu'on va les avoir après. Pour l'instant, on est sur du rouge, apparemment. Oh, bon, reste plus beaucoup, hein. Le nouveau skin, donc, on l'utilise. On va voir ce que ça donne. Ça y est, il est déjà plein. Waouh, on dirait une guimauve. Hop là, attention, hop là, passe par là. Oh là 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 là, tout ce qu'ils ont mis. C'est bon, on a un nouveau personnage, regardez les amis. C'est la petite veste du Squid Game, du Guard Squid Game que nous sommes en train de faire. Waouh. Donc là, on va sûrement lui faire le masque, le noir comme ça. Là, il y a, bah ouais, c'est que le masque, hein, je crois qu'il est en noir. Attention, marteau quand même. Waouh, 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 attention à l'âge, c'est bon, ça passe. Les petits trous dentés comme ça, les petites scies dentées, on les évite. On se met en mode skate et on peut donc terminer ce dessin. Ou alors il nous manquait peut-être. Oui, ah non, le rond, il est déjà, ok. Bon, bah, on a un rond, hop, alors, attendez, il me manque ça. Tac, 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 voilà. Les ronds, c'est pas les meilleurs, je crois pas, hein. Mais en tout cas, il est très stylé, mon dessin. Et on a bientôt le nouveau personnage du dessin animé, je sais plus comment il s'appelle. Ah, ça y est, on commence à avoir des multicolores, les amis. Enfin, là, pour l'instant, on est plutôt bicolore, hein. On a un petit dégradé. Ah non, c'est un peu plus, là. On a trois couleurs, je crois. Ah ouais, on peut distinguer trois couleurs. Trois couleurs, hein. Hop là. Oh, salut, mec. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont rajouté des arbalètes. Attention, 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 ça arrive. Hop là, ils m'ont... Oh, trop stylé, on a débloqué les éléments. Les aimants. Ils sont tellement efficaces, c'est-à-dire que les aimants, en fait, depuis tout à l'heure, je les ai pas. C'est juste quand on les ramasse qu'on peut les avoir. J'ai pas eu peur toucher. Alors, quel est le prochain dessin? Pour l'instant, un burger? Non. C'est un pop-it. Oh, c'est un pop-it Among Us en plus. On va vérifier s'ils ont bien respecté les mêmes couleurs. Oh, nouveau skin. On a donc le nouveau personnage, comment il s'appelle celui-là? C'est dans un film où c'est un petit robot blanc comme ça, je crois, hein, c'est un robot, hein. Hop là, c'est parti, vous me le direz dans les commentaires, je me souviens plus. Heureusement qu'il est là pour défoncer les murs. Hop là, hop là. Attention, on prend tout ça et c'est bon. Alors, c'est l'orange, oui, c'est bien l'orange, mais de toute façon, c'est un arc-en-ciel, hein, tout simplement. Hop là. Il y a un truc pour nous booster, les amis. Donc là, le prochain, c'est le jeune. Ah non, c'est pour monter. Hop là, on prend tout ça, on prend tout ça. Donc c'est bien, ouais, c'est bien le jeune sur le pop-it. Ah, j'ai raté une petite fiole, c'est pas grave. Waouh. Ouais, je sais même pas comment j'ai survécu à tout ça. En tout cas, c'est bon, on est à 100%, ça c'est bon. On va passer au milieu. Hop là. Allez, donc la suite du pop-it, j'espère qu'on va pouvoir le péter après, hein. En tout cas, il y en a qui se sont amusés déjà. On passe maintenant au vert. Oh, il va falloir voler. T'es sûr de pouvoir voler, toi, mon pote? Je suis pas sûr que t'aies cette habilité-là. Ah si, je crois qu'il vole en vrai dans le film. Oh ouais, je me souviens plus, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Hop là, alors attention, ils ont sorti les nouveaux pièges, je les avais pas vus, ceux-là encore. Yep là, reste sur la droite, maintenant va à gauche, va à gauche. Hop, par contre, eux, ils sont en train de jouer avec mes nerfs là. C'est moi du tout ramassé. Alors, attention, non, ça passe au milieu, ouais, ça passe, hein. Non, c'est vrai qu'il est un petit peu gros, hein, mon petit personnage. Donc, bon, pour passer entre les pièges. Ah, attention, le tac. Aïe. C'est bon, il récupère tout derrière. Donc, on a dit, c'est du vert, ouais, c'est bien du vert sur le pop-it, hein, c'est bon. Bon, allez, après ce niveau, on va pouvoir débloquer donc le nouveau skin disponible. C'est un petit chat, alors je sais plus si c'est Talking Angela ou Talking Tom du jeu sur Android, là, comme ça. Hop là, va bien au milieu. Wow, attention. Wow, c'est bon, ça passe. Oh, est-ce qu'on va réussir à aller à 100%? Oui, c'est bon. Alors, c'est un vert un peu... Ouais, je l'ai pas, celui-là, moi. Ah mais non, moi j'ai qu'un verre, moi. C'est pas le même que moi. C'est bon, donc on l'a débloqué. C'est Talking Tom ou Talking Angela, ça? Je sais pas, en tout cas on va pouvoir le prendre. Hop, j'ai toujours pas eu de couleur multicolore sur moi, hein. C'est vraiment mon rêve dans ce jeu. Attention, hop là. Allez, donc on continue, grosse descente. Attention, le tampon. Hop là, hop là, hop là, hop. Aïe, 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 je crois que je me suis fait toucher. Donc là c'est bon, je crois qu'il va rester donc une étape après ça. Oula, oula, j'ai du mal, c'est bon, ça passe. Allez, il reste juste les jambes à faire qui seront violettes du coup. En attendant, j'ai quand même encaissé pas mal d'argent, hein. Donc allez, on va dépenser, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense, hop là. Donc allez, on fait les pattes et ensuite on va pouvoir découvrir donc le prochain. Hop là, c'est bon. Les aimants. Oh, j'ai raté l'aimant. Oh non, le débile a raté les aimants. C'est pas grave. Et ça y est, on a terminé notre magnifique peinture qui prend réalité, regardez. Waouh, trop classe. Donc alors, quel personnage on va débloquer maintenant? En tout cas, on a pris des couleurs assez stylées là. Un petit dégradé sablé qui fond en noir comme ça, en passant par le vert. Waouh, mon personnage est trop stylé comme ça. Hop là, hop là, hop là. C'est bon. Oh, c'est qui ça? Oh, d'accord. C'est un gars des Squid Game. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est le mec qui fait des peintures, mais il sait pas ce qu'il fait, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est une niche?
What? Je sais pas ce que je suis en train de faire là. Ouais, c'est plutôt une maison plutôt qu'une niche. Ouais, une maison d'amour. Mais c'est la maison de qui ça? Alors là, ça me dit rien. Allez, termine-moi cette magnifique maison. Vous me direz dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas à qui elle appartient. Mais en tout cas, les amis, n'oubliez pas, mettez un gros pouce bleu. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à cliquer sur une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et attention, salut à tous des Red Kill. Bye tout le monde.